Bonjour, c'est la variation 16, la variation de l'infini, la variation vocalise. Rachmaninov possède très très bien l'écriture du Dieu manuel. On est comme si sur un cembalo où il y a deux plans du manuel et les mains ne croisent pas. Ici, il les réunit ensemble et c'est ça pourquoi il y a toujours cet effet que les bas ils se baignent dans une même. Dans le même lot, une main qui baigne d'autres mains. On va voir ça auprès. On peut s'imaginer que la main droite qui joue la mélodie, il serait toujours haut sur un autre clavier. Sinon, je suis obligée simplement de choisir est-ce que ma main gauche, elle passe par haut, est-ce qu'elle passe par bas. J'ai toujours cette sensation que je joue avec mes mains dans l'eau. Et il y a un moment, je pense que c'est le ciel qui s'ouvre grâce à sa main gauche, à ma main gauche qui... C'est ça, lui ici, c'est la mélodie. Elle vient jusqu'à là, jusqu'à mi bémol. Elle va plus bas, jusqu'à mi bécard, jusqu'à fa. Et encore plus haut. Maintenant, c'est dans la mélodie, c'est très bémol majeur. Dans cette variation qui écrit en mineur, c'est l'ouverture du ciel. Pour moi, ce tableau en relief, c'est le symbole d'infini. C'est l'eau. C'est l'eau qu'on souhaite de boire, le reflet de l'eau. Le reflet, il y a cette ligne ici, ici c'est fermé, ça se touche. Ici c'est fermé aussi, ça se touche pour les arbres, pour tout ça c'est fermé. Mais ici, cette ouverture-là, comme si on a toujours le soif
L'envie de boire, c'est comme l'envie de boire la vie. Et cette envie ne peut jamais être rassasiée, satisfaite pleinement. On cherche toujours. Il n'y a jamais la fin à cette recherche, à cette envie, à cette soif. Ce tableau de Frédéric Jaguer, il est en face de mon piano, je le regarde toujours quand je travaille au piano. Et c'est deux mondes du prélude de Chopin, deux mondes du Rachmaninov, deux mondes que chacun de nous porte en intérieur. Il y a un monde réel et un monde pas réel. Ici, je me demande toujours, qu'est-ce que réel? Est-ce que c'est cette partie-là ou cette partie-là? Je ne sais pas. Je suis vraiment heureuse de pouvoir jouer cette vocalise sur piano. Je pense que les vocalises pour la voix et piano est vraiment très célèbre et très connu de Rachmaninov. Et ici, c'est comme un souvenir de ça, comme l'ombre de cette vocalise qui est beaucoup plus longue et plus grande pour la voix en vrai. Et c'est ça, un souvenir à cette vocalise qui représente Rachmaninov et l'infini de l'âme russe, du paysage russe, de profondité, de lourdeur, de nostalgie, de tristesse, d'espérance, de tout ça qu'on peut trouver dans la tradition russe, dans la religion orthodoxe, dont Rachmaninov était très près. Tout ça, on peut trouver dans sa vocalise et dans cette vocalise écrite pour piano, mais que je vais chanter maintenant. Je vais chanter la mélodie et m'accompagner avec la main gauche, justement comme c'est écrit au piano.